partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se taire avec les anges en adore. Et ce jour-là, sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir et où je pars. Et ce jour, bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, Jesus.
Sengo Kasimo kolototika kamo kilipona kozonga na maboko na tata Ezala kamituna Beto zwa kabia noté Liwa ekipara kozwa motote Ezwa kamo kontinyoso Atoza la kila mabongo La kila mamoye Soki liwa eye ekotipe Ditre na yote Omo na na esi Wana ezali mokano na nzambe Liwa ezali liwate Toko mona na lisusu Elongo na Yesu Komo na na esilite Liwa ezali liwate Toko mona na lisusu Elongo na Yesu Mananga elegi kola paka mama Iwa izali na boli Na makolo na suka tutumbula Papa na mana kali siki mbuni tokumona na lisusu Oka gana zambi lopete Iwa izali liwate Toko mona na lisusu Elongo na Yesu Liwa ezali liwate Toko mona na lisusu Elongo na Yesu Papa na ngalu wa kambungu Toko mona na lisusu na mkona na suka Papa bukulu Toko mona na lisusu na mkona na suka Toko na mkona na lisusu Mabende kubu ya Yesu Mabende zalili sumu Na mokolo Yesu katoku samu Nesambise Mabende kubu ya Yesu Mabende zalili sumu Na mokolo Yesu katoku samu Nesambise Sous-titrage
grand Charles Mombaya, que tout le monde a la Yahweh Lingonda, tout le monde a la lissus. Mamuchela, Mamuchala, Olé, tout le monde a la lissus. Patata, tout le monde a la lissus. Maman Bénédicte, tout le monde a la lissus. Charlie Mombaya Koufa qui t'aime sa mère. Donc on a dit, ouais, t'as la carte, comme quoi t'es famille, quoi t'es. Charlie Zalina Mamba. Donc on a dit, ouais, t'as la carte, t'es à mon côté. Il va être à la carte, il fait comme moi à mon côté. Il va être à la carte, il va être à mon côté. Il va être à la sera à l'œuvre et que nous vivions tel que toi tu avais voulu pour chacun de nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Le dernier verset d'Ecclésiaste au chapitre 12. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ici, nous sommes tous des hommes et la parole nous recommande quelque chose de très important, c'est que chacun de nous doit faire, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux posséder, quel que soit le niveau d'élévation que tu as atteint, enfants, jeunes, ceux qui sont majeurs, adultes et les vieillards, tous, nous sommes des hommes et c'est ce que nous devons faire. Craindre Dieu et obéir à ses commandements. Bien-aimé, la vie, elle est éphémère. Voilà que Jean-Pierre nous quitte, il est parti, c'est fini, on ne va plus parler de lui. Sauf quelques souvenirs que nous aurons encore de lui. Nous qui avions travaillé avec lui, nous avons fait beaucoup de choses avec lui. Mais de plus en plus, il sera oublié parce que nous ne le verrons plus sur la route, nous ne le verrons plus au service, nous ne le verrons plus à la direction VT. Il y aura quelqu'un d'autre qui va venir à la direction VT. Parce que ce jour-là, on va pas regarder le type de l'ingénieur civil, l'ingénieur civil. Voilà pourquoi je crois en Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Tout ce que l'homme peut décider dans ce monde. Mais observe ses commandements et de ce que doit faire tout homme. Nous avons passé l'étape de divers témoignages. Ainsi, je vais engagé dans la fin. Moi, je venais de rentrer du pays de l'extérieur, de l'étranger. Jean-Pierre, terminant au campus, nous nous sommes rencontrés. Ensemble, à la direction voie des travaux. À l'inspection études. Moi, chef de service planning et programmation, Jean-Pierre s'occupant du service ouvrage là. Et là, nous avons commencé le chemin ensemble. Nous avons marché, moi et Jean-Pierre. On a fait à pied, Kinshasa Matadi. On a passé des nuits blanches sous la pluie. On a tout mangé, moi et Jean-Pierre. Je
Je ne sais pas ce qu'on n'a pas fait ensemble. Il nous est arrivé de rester entre deux sections à discuter à deux pour savoir qu'est-ce que nous faisions sur le chemin. À pied, en train de marcher sur la voie ferrée, en train de se faire voir. Sa maman, c'était ma mère. Nous allons jusqu'à Goma voir sa maman à deux. D'ailleurs, son épouse, c'était notre amie. C'est elle qui s'occupait de nous. Mais les souvenirs sont les souvenirs. Hier, je n'étais pas sur place. Quand Mado m'a appelé pour me dire, lui me parlait d'une autre personne. En venant ici au deuil, je croyais que c'était une autre personne. C'est en entrant que j'ai vu la photo de Jean-Pierre et que je me suis posé la question, mais enfin, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est toi qui partais. En m'approchant de ton corps, j'ai réalisé que c'était toi. La question de savoir pourquoi toi? Pourquoi toi? Et quand j'ai vu ton nom, qui m'aimait après, il m'avait dit que tu avais repris du travail. Tu avais repris dans le domaine qui était le nôtre, la voie ferrée. Et que tu as fourni le maire de toi-même, qui justifie que la vitesse entre Kinshasa et Kasangoulou du train s'est accrue. Les 2 heures qui se faisaient depuis un certain moment, on a repris jusqu'à 43 minutes. J'étais revu quand toi et moi, nous allions de brigade en brigade, aller contrôler les pièces, faire la clôture des pièces mensuelles des brigades. J'étais revu à travers l'opiniâtreté, la précision, l'assiduité et le souci du détail qui était le tien. Mais hélas, tu nous quittes. Mais sache que je garderai toujours une image de toi. Chacun peut raconter à sa manière. Mais moi, je t'ai connu. Tu as été un ami, un frère. Je garde ce que je sais de toi. Parce que je sais que là où tu es parti, tu gardes ce que tu savais aussi de moi. Quant à ta femme Béa, notre amie, il faut lui donner du courage. Béa, j'y peux accueillir. Bon, des ensembles. Mais, accueillir les trois ans, non. On sait la marquette. Maou, une bonne autre pour toi. Pour toi, son maillot. Je vais répondre en paix. Je vais me laver, j'ai pas de savon. Je vais sauter. Oui, s'il vous plaît, oui. C'est grave. Dans les photos d'hommes à la place, la vie. Bien, nous sommes obligés de poursuivre le programme. Garde mon fils qui protège les enfants.
Et que ses enfants sont soutenus au Dieu Tout-Puissant, qu'aucun malheur ne leur arrive dans le nom puissant du Dieu éternel. Directeur voies et travaux, ce lundi 30 mai 2016, à la clinique Ngaliema. Une horrible, terrible nouvelle qui nous a tous laissés en émoi et stupéfaits. La mort a une fois de plus frappé à notre porte, à notre maison, à nos bureaux, à nos services, en retirant ce vaillant directeur à la grande famille de la SPTP et ça. Maya Lamapangu, la mort t'emportait pour ton dernier voyage. SPTP SA. En Paris, s'y recense, il est de coutume de faire un briefing du parcours professionnel de l'illustre disparu. Le directeur Maya Lamapangu, que nous sommes en train de pleurer, était fils de M. Mambu Topassi et de Mme Fongo Wongo, tous deux décédés. Le directeur Mayala était né le 25 février 1958 dans la ville-province de Kinshasa. Il était originaire du village de Kintembo, secteur de Fidi, territoire de Madimba, district de la Lukaya, de la province du Congo central. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'agissant de ces études faites, le défunt avait successivement fait les études suivantes. De 1964 à 1970, cycle primaire à l'école primaire de la Gombe, où il décrocha le certificat d'études primaires. De 1970 à 1972, école secondaire à l'Institut d'Agombé, où il obtient le brevet de cycle d'orientation. De 1972 à 1976, Institut technique industriel de Bumbu, où il décrocha son diplôme d'État en construction. De 1976 à 1986, Université de Kinshasa, où il décrocha le titre d'ingénieur civil en construction. Formation suivie par le feu directeur Mayala, on peut citer les formations suivantes. De août à septembre 1983, stage à la régie des voies maritimes. De janvier à avril 1988, recyclage sur les techniques de maintenance de la voie au centre de formation des chemins de fer. En juin 1989, initiation technique de management au centre de formation chemins de fer. D'octobre à décembre 1989, perfectionnement sur les techniques de voies ferrées à la SNCF au Fermat en France. En avril 1990, initiation à la micro-informatique. S'agissant de son parcours professionnel, l'illustre disparu a été engagé à la STPSA Exponatra depuis le 11 septembre 1986 en qualité de chef de service planning des travaux de la voie et génie civil à la direction des voies et travaux. De mai 89 à novembre 90, il sera affecté au poste d'ingénieur attaché à la direction CFI à l'époque, en qualité du chargé du suivi des travaux de la voie et du génie civil. De décembre 70, décembre 90 à novembre 91, il fut affecté comme chef de service BECT. De mars 91 à 26-10-95, il accéda au poste d'inspecteur contrôle des travaux à la direction contrôle des travaux. De 2001 à 2004, il fut affecté comme sous-directeur conseiller attaché au département de chemin de fer. De 2006 à 2007, il a exercé les fonctions de conseiller technique au cabinet de l'administrateur directeur général de la SCTP. À partir du 3 janvier 2007, il était nommé directeur de cabinet de l'administrateur directeur général de la SCTP. En novembre 2015, il était désigné aux fonctions de conseiller pôle technique. À partir du 1er décembre 2015 jusqu'à sa mort, il assumait les fonctions
le directeur Voies et Travaux. Il fut un vaillant dirigeant, consciencieux, accueillant, bon travailleur. Il a passé une bonne partie de sa carrière à la direction générale en qualité de directeur de cabinet. Les administrateurs, directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la SFPP, à savoir Bikindou Ditomene, Claude Pécune Ponson, Georges Raymond et Serge Bassaoula. Enfin, nous devons vous informer que le défunt laisse une veuve et une famille nombreuse. Pour terminer, nous implorons le Dieu Tout-Puissant pour que la terre qu'il accueillera lui soit douce et favorable. Adieu l'ingénieur Jean-Pierre Mayala, Juppé pour les intimes. La communauté CTP tout entière ne t'oubliera jamais. Que ton âme repose en paix. Merci de votre attention. Un frère, un parent, un époux veilleur et attentionné. Pour moi, c'était un père. Mon papa, l'homme de référence, le géant dans l'ombre, qui m'a appris patiemment tant de choses, qui m'a donné l'éducation et les tacts pour affronter la vie. Toujours positif et débordant, d'optimisme, toujours à l'écoute, toujours pacifique, quel que soit le problème, aimant la joie, est capable de supporter toute épreuve, tout temps d'épreuve. Papa m'a préparé à beaucoup de choses, y compris accepter ce départ que je ne pensais pas si proche. Mais il ne m'avait pas prévenu qu'il me serait si difficile de l'accepter à sa dernière demeure. Merci à maman pour ce dépassement de soi pour avoir réussi à nous contenir malgré son état de santé. Merci infiniment à la direction générale de l'ONATRA pour tous les efforts conjugués. Hélas, c'est le destin. Ainsi que gloire soit rendue à notre bon Dieu. Il faudrait que j'en parle à papa. Plus d'activité avec papa. Chaque fois, la douleur se réveillera face à la réalité. Papa n'est plus là. Espérons que vous serez là. Dans nos cœurs, dans nos vies, tu laisseras en vie. Adieu, papa. Et merci pour tout. Je demande à tous mes petits frères et toutes mes petites sœurs de m'accompagner pour nous incliner devant la dépouille de notre papa. Nos fleurs, nos gerbes, nos couronnes en signe d'unité surtout et d'amour pour notre papa. Pour aujourd'hui et pour toujours, je vous remercie. Pendant les malheurs, pendant les bonheurs, adieu Mayala, que ton âme repose en paix.
Yeah.
rester. Tiens la main, il en l'a appelé. Ma comment qui couille, ma éva, ma la famille, ma éva, ma passe, ma main. Thank you.
les mérites de la vie. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dans l'ordre de Bibi, Kinshasa, encore une fois, nos condoléances et de plus attristées à vous, sa famille. Oui, chers amis, maintenant que notre cérémonie touche à sa fin, nous espérons que toutes les invocations qui ont été faites au cours de cette cérémonie ne trahissent point la mémoire de Papa Jean-Pierre, mais viennent inéluctablement s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun et chacune d'entre vous garde de sa mémoire. Dans quelques instants, nous allons confier son corps à notre terre riante et généreuse, tout en souhaitant que cette terre des ancêtres soit douce et légère, et que nous prendrons congé de son corps physique, nous pouvons lui dire au revoir. Au revoir dans la langue chère à ses aïeux, comme on le dit du côté de l'Ipemba, en Kikongo. Papa Jean-Pierre, Wenda, Kiangote, je vous remercie. Tu vas partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se tait avec les anges malins. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adorant. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et
Papi. On a tiré la photo. Attends, passe-moi si je veux passer. La mère en train de faire.
Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas leur terme parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Yangwe te kolo, te ko pa mouni sou, te zambé na yon atan ko. Papa te yon ko tika li sou sou, li boto na ma boko na yon kolo. Yo ko ye ba na komi mouni sa, nan zela. Pas encore, le souffle de vie en nous, c'est là où Seigneur tu renouvelles. Aussi ton amour et tu nous l'éternales tous les jours. Seigneur, nous voulons, une fois de plus, te rendre les actions de grâce, te bénir, te louer, et surtout, Seigneur, remettre tous ces enfants, cette famille entre tes divines mains. Tu dis dans ta parole, Père, que ce que toi tu détiens dans tes mains, personne ne peut les arracher de toi. Mutumo ka kokuto bonto la oyo simbi na maboko na yo te nzambe azali te pe akotikala na kozala mokolo moko te talatina nini nkolo yo zali kobenge te tozongisa bomoi na biso epai na yo parce que tu veilles comme jamais personne n'a veillé yo lobi te si l'éternel ne garde celui qui garde garde en vain yo ndo batelaka mobateli ya solo ezali yo nzambe totikili moto na maboko na yo. Pour que tu aies Satan. Tant que tu traverses la vallée où nous avons épreuve où nous avons Satan a été Ayaka, Naba, Jana, pour nous avoir dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit par l'autorité, le pouvoir que tu nous as donné. Seigneur, nous avons Thank you.
Ça dit sur euro la pièce ta t-shirt na t-shirt na texte na maramoto 20 euros. Bon ouais. Pardon? Vas-y.